Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. On se retrouve, ça y est, je me suis rendu en ville. J'ai fait un petit peu de gestion en off, puisque comme vous vous en doutez, il a fallu dormir sur le chemin. Et donc Aminou et Pispous étaient devenus pestiférés, je leur ai acheté un petit remède pour régler ça. On a également Malice, la harponneuse, qui nous rejoint dans l'aventure pour remplacer la regrettée Chobiti. Ça nous permettra quand même d'avoir une petite force de frappe. Le plan change un peu, l'objectif c'est toujours de nous rendre là, et je pense qu'on passera acheter au moins 2 chevaux à l'écurie du plateau, vu qu'on a la thune, et que, eh ben, on voit que c'est quand même un petit peu la mémiarde. On a posé un piton ici pour descendre, mais on va aller, vu qu'on a récupéré quelques iris des neiges, les filer à l'abbaye. Ça nous fera une petite quête supplémentaire, un petit peu d'XP, peut-être un petit peu d'or et de réputation. Et on repartira à la recherche de notre... D'ailleurs on va peut-être même pas faire la recherche, je pense qu'on va peut-être rusher l'autre ville. Se débarrasser de l'ambre qui pèse quand même lourd, chercher des chevaux, acheter des draps, enfin bref, dépiler tout ça. C'est compliqué franchement enfin c'est compliqué. Il y a du challenge on va dire, les trucs des rats. Mais alors nettoyer les 6 saloperies, je pense qu'il faut, une équipe avec des brutes en masse qui font des dégâts de zone et tout le temps, parce que c'est ingérable sinon. C'était pas toi, c'était toi qui voulais des iris des neiges, tiens. Des petits iris des neiges, je vais enfin pouvoir faire mon travail, j'espère que ça vous sera utile. Il nous donne une civière. Et il nous faut un bricoleur apprenti, et oui, car du coup, Joshonette. Et pour l'instant, notre nouveau bricoleur, enfin bricoleuse en l'occurrence, mais repart à zéro, et on n'a pas grand chose à fabriquer, donc on va essayer de voir si on peut la faire monter de niveau. Malice de son côté, pour l'instant, est plus orientée combat, on va dire, que l'était Chobiti. Donc, pour l'instant... Je lui ai pas mis de métier, de même, on verra si on lui prend pêcheur ou si on découvre le dernier. Ce sera selon. Du coup, au final, je me demande si ce truc-là, ouais, faut pas être de ce côté-là pour le fouiller, parce que là, on a suivi et on est tombé quand même, enfin, à moins qu'il y ait un pont quelque part, ce qui me serait improbable. On va retourner au nord. C'est parti, si on pouvait bouger par contre. Ouais, alors attendez, par contre, c'est où qu'on veut aller? Non, c'est par ici qu'on veut aller. De ce côté-là, les gars, de ce côté-là. On va essayer de se garder un petit peu de place. Ah, ici, il y a des déserteurs qui combattent des sangliers. Est-ce qu'on peut aller rejoindre l'un ou l'autre? Comment ça se passe? Si on arrive déjà avant la fin du combat, ce qui n'est pas dit. On va voir ce que ça fait. On combat tout le monde, c'est la teuf. On affronte les soudards, on affronte les sangliers. Ah, et on a des sangliers alliés, tiens, c'est marrant. Allez hop, go. Ils allaient gagner de toute façon. On n'allait pas laisser ces pauvres sangliers décéder. Alors déjà, est-ce qu'on a des sangliers qu'on doit éviter qu'ils meurent? Ceux-là, ils ont pas... C'est pas des personnes... non, ok. Il n'y en a aucun cas, le petit... Le petit symbole comme quoi c'est une un personnage à sauver, donc c'est bon. On a nos deux tanks là, c'est peut-être pas forcément adéquat, sachant qu'on a cet artificier qui va jouer, Poslovitch va se faufiler par là. Malvin ici, là on a les soudards avec la hache, on a un pillard avec son marteau. Malice est derrière, on a Lofwir ici qui pourrait probablement choper un peu là. Joshonette et Gilles, ils sont un petit peu trop à l'arrière quand même là, on va les mettre un petit peu plus proches. Ça me paraît pas mal. Donc Poslovitch, tu te faufiles jusqu'ici. C'est juste à ta portée. Et tu me mets une grosse fessée à ce monsieur. Voilà. Et tu vas utiliser le choc affaiblissant, c'est pas hyper utile mais ça nous fait ça nous permet de gagner des petits points. Voilà. Ensuite. C'est le pillard qui va jouer. Ça pourrait être intéressant que le fouir s'infiltre. Là il va prendre le piège si on va jusqu'ici. C'est quoi? C'est un artificier, ok. On peut pas toucher ces deux là, mais on pourrait toucher ces deux là. Allons-y.
Et bim, un petit saignement, c'est cadeau. Tu pourrais te placer pour toucher les deux là? Je pense pas. Hein. Non, ils sont pas suffisamment alignés. Donc ça sert à rien pour l'instant. On va rester là avec le fouilleur pour qu'il tanque un peu. Allez, bim, le petit sanglier qui charge. Ok, lui il va prendre son saignement, ça fait plaisir. On va aller tanker. Vu qu'on n'est même pas engagé, je pense qu'on va même se permettre de bouger après. Est-ce qu'on pourrait aller là avec... Ah, ça c'est un artificier, ça c'est un pillard, donc il y aura son truc ici, s'est engagé. Ouais, on va aller se mettre adjacent là pour bénéficier du dégât là. Du dégât supplémentaire. Voilà, on s'engage. Ici, un petit sanglier, il engage l'archer, c'est parfait. Ça nous va très très bien. Là, le petit coup de hache, les petits dégâts de saignement. Malice, tu pourrais repousser. Éventuellement, tu pourras désactiver celui-là, hein, si tu peux aller assez loin. Non, ça me paraît tendu. Ouais, c'est un petit peu tendu. Tu pourrais désengager celui-là, éventuellement. En avant. Ah oui, non, c'est vrai, t'as la lance qui fait des stabilisations, toi. C'est Malvin qui a repoussé, maintenant. Bon, c'est pas grave, t'es plutôt bien, là. On pourrait en plus même laminer ces deux-là. Hop là. Il y a des petits lags là aujourd'hui. Bon, on lui a pas mis saignement vu qu'il l'avait déjà. C'est pas grave. Qui va jouer après? Le pillard là. Mais le soudard ici, il est toujours libre. On pourrait du coup envoyer Malvin finir celui-là. Voilà, ouf, oh, le coup critique qui fait plaisir. Et on va lui faire un petit mur de pique par là. Voilà. Donc lui, il va aller mettre son truc, mais on devrait pouvoir s'en occuper assez aisément. Par exemple, en finissant ce monsieur avec G-Lead. Ok, Joshanet est un peu près en sécurité, donc on va utiliser G-Lead. On va le mettre là, de toute façon il peut pas s'approcher d'un allié suffisamment. Voilà, on finit celui-là, comme ça on va pouvoir gérer lui après. Et on va s'approcher, c'est un petit peu imprécis tiens d'un coup là le jeu, qu'est-ce qui t'arrive le jeu? Pourquoi tu veux pas t'approcher de 4 mètres là, s'il te plaît? Pourquoi d'un coup il se met à lagouiller et on n'a pas de perte de FPS pourtant? Je me mets derrière le piège, je peux shooter, ouais. Comme ça, si jamais il veut venir me voir, au moins il se prendra le piège. Hop. Non, on fait pas des dégâts de fou avec elle, forcément, hein, c'est le début. Pisse-pousse, ça m'emmerde qu'elle aille là en fait. Donc je pense qu'elle va se contenter de venir ici derrière, pas faire de dégâts. J'ai pas envie qu'elle s'engage avec le soudard en fait. Là on va se prendre une hache normale et après il bouge et il se prend un coup de lance. Voilà, c'est cadeau, ça m'a fait plaisir. Là je suis pas sûr que même à deux ils arrivent à le gérer. Hein. Alors il y a lui qui va attaquer. Il est donc important qu'on se barre de sa zone. Est-ce qu'on peut shooter les deux? On pourra shooter les deux en étant en dehors de sa zone, c'est parfait. Allez bim! Un petit saignement supplémentaire, ça me cadeau, ça me fait plaisir. Aminou, pareil, hein, tu pourrais par exemple passer derrière en étant adjacent là pour mettre un petit coup d'épée. Donc bon, bah sur l'armure c'est relatif, mais on lui met du poison quand même. Pourquoi on lui a mis du poison? Ah, j'avais peut-être utilisé un truc, oui, je crois que j'avais utilisé une fiole sur lui à un moment. Ça a pas dû être très utile contre les rats d'ailleurs. Et bon, vu qu'il tapait sur autre chose que le rat. Alors ici, bah go hein. Voilà. On s'engage.
On s'engage pas parce qu'il est il est vilain. C'est pas très grave, on va le finir avec Malvin. On pourrait aller engager lui par contre. Qui va rejouer. Ça vaut peut-être le coup d'utiliser un point pour ça. Pour qu'il évite d'aller taper sur Joshanet qui a quand même très peu de PV. Ici on va se prendre une attaque. C'est acceptable, un peu chiant mais acceptable. Pas tout faire de toute façon. Alors le prochain qui joue c'est lui, on s'en fout, on va finir lui, comme ça c'est fait. On gagne une petite galvanisation qui mange pas de pain. Après on a tous les sangliers qui vont jouer. Alors si je fais ça je vais être engagé parce que je suis au contact. Donc faire le tour. Et on est trop loin ici, t'es sérieux? Ah merde! Ça c'est la tristesse. Est-ce qu'on peut quand même lui lancer un truc? Oui. Ah merde, on a... Attends, ça il clignotait pas, je pensais qu'on le toucherait pas. Bah tant pis, voilà, le petit coup de lance dans les fesses de Malice, hein, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, ici faut faire mal là, un moment. L'artificier il peut bien taper s'il veut. Nous ce qu'on veut c'est défoncer celui-là. Voilà, il suffit de demander à Jilid et il fait le taf. Pisse pousse, tiens bah pour le plaisir, tu vas aller dans son dos et tu vas utiliser ta frénésie vu qu'on a plein de points. Voilà, juste pour le plaisir. Et après tu vas courir par là-bas. D'ailleurs tu pourras aussi courir par là-bas. Allez, on va se mettre bien dans l'axe pour être en ligne droite et on va finir celui-là avec Joshanet. Et la question qui se pose hein, bien sûr c'est est-ce que on va devoir affronter les sangliers après ou pas. Je suis assez curieux de voir. On va envoyer Poslovic dans le dos de ce monsieur. Pisse pousse. Non, on a plus de points à claquer. On va envoyer Poslovic. Mais non, jeu, putain. Ça manque de précision parfois le déplacement. Je sais pas pourquoi exactement. Bon bah c'est tout. Voilà. Le petit coup de marteau qui allait bien. Marteau à deux mains, minerai de fer. Ok, on prend tout. On répare. Ça nous enlève un petit peu de poids. Et du coup... Il y a les sangliers, mais ils nous attaquent pas, ils sont pas hostiles. Ok, c'est quand même pas totalement pété. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Une tunique décorée. Toi, t'as toujours des vieilles hardes de pécor, hein. Donc c'est parti, prends ça. Tu peux pas prendre ça? Ah, tu peux pas porter même d'armure légère. D'accord, ok. Tu peux porter vraiment que du truc de base. Bon, bah du coup, on va aller vendre vite fait le marteau pendant qu'on est là. Ça, on va le garder. Hop, voilà. On vend ça. D'ailleurs, c'était presque mieux les hardes de pêcheurs que ça, mais bon, c'est pas grave. On va garder ce truc là pour quand elle pourra porter une armure légère. On va faire un petit tour vite fait à la taverne, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre à recruter. Non, il n'y a pas de nouvelles personnes. Et donc, on est parti. Cette fois, on va au nord. On aura encore un truc de rat à gérer. Mais on fera le plein de remèdes anti-peste à l'autre bled. Donc là on va faire une petite partie de voyage. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ces lags là, honnêtement. J'espère que ça se voit pas trop au record. Qu'est-ce que tu nous vends toi? Des anguilles, du cidre, non, rien d'intéressant. On avance. Bientôt falloir qu'on campe, on peut peut-être rattraper ces réfugiés vite fait avant. Non, je peux pas leur parler si.
Êtes-vous des bandits? Nous avons rien. On pourrait leur acheter des risques des neiges pour 5. On n'a jamais trop d'iris des neiges. C'est parti. On continue notre chemin. Ici on a du fer, mais on en a déjà récupéré. C'est du bois maintenant qu'il nous faudrait. On peut se permettre d'en prendre un petit peu, je pense. Donc on va camper. Allez hop, voilà. Bon, on va camper là. Pas la peine de se stresser. Donc Malice... tu vas te foutre ici, d'ailleurs on n'a pas besoin d'autant de monde là. On va remonter nos points largement suffisamment assez. Ici on va mettre ces trucs là qui ne sont pas directement utiles pour l'instant. Le rendez-vous on le garde. Le reste on le garde. Ça pareil on va le mettre là en attendant que Joshanet s'améliore un peu. Donc Joshanet d'ailleurs, en parlant de t'améliorer, tu pourras nous faire des pitons, on en a déjà pas mal. Tu pourras nous fabriquer des fontes, hein, pourquoi pas. Ce qui est cool c'est qu'elle a besoin de l'expérience pour débloquer la recette, mais une fois que c'est débloqué, elle peut le fabriquer quand même. Y a pas de... Y a pas de... comment... de prérequis de fabrication quoi. Juste pour apprendre les recettes. Un coffre de camp, non. Une marmite, non. Une tente, pas besoin. Des fontes, on en fera peut-être selon... selon les chevaux qu'on achète. Bon, bah, on va lui faire faire quelques crochets, histoire de commencer l'entraînement, quoi. Allez, hop. Gagner un petit peu d'XP. C'est combien qu'il faut, comme XP? C'est 80 XP qu'il faut. Ouais, bon. On n'a rien à cuisiner. Non, on n'a plus de sel d'ailleurs, bah écoutez, c'est pas très grave. On a besoin de 29 bouffes, pas de trucs à verser. C'est parti, on se repose. Voilà, on gagne un petit peu d'influence. Il est temps de nommer un remplaçant à votre capitaine précédent. Bah oui, parce que c'était Chobitil capitaine. Poslovic, normalement, c'est notre lieutenant. Malvin, est-ce que tu serais pas capitaine? Gilead, il serait un bon capitaine, je pense. Gérer le compagnon, faire prisonnier, renvoyer. Ah, ok. Tu seras capitaine, Gilead. Voilà. Pour l'instant, ça fait toujours pas grand chose, hein, mais. Comme pas mal de choses, comme le fait que les compagnons sont contents ou pas quand on prend des nouvelles personnes, qu'on les renomme et tout. Ça fera des choses normalement à terme, je pense, vu que ça apparaît en rouge, en vert et tout, mais pour l'instant ça fait rien. Alors, voyons voir ce que ces marchands ont à nous offrir. Des petites cornes peut-être, ce serait cool des cornes. Non, rien d'intéressant. On est parti. Hop. Est-ce qu'on peut traverser ou faut parler au truc? Non, c'est bon. Est-ce que je peux parler à la dame qui m'avait filé la quête là? Oui, ça a évolué. Tout ce que ce royaume compte sur nous. Ah non, ok, c'est juste en vert, mais vu qu'on n'a pas trouvé encore On n'a pas trouvé encore le truc des inquisiteurs là. Le rendez-vous des inquisiteurs, pour l'instant ça nous aide pas. Tu peux aller à la carte, ouais. Faut une rivière. Hein. On a pas mal de crocs. Ce serait pas sur le chemin, le camp là. Peut-être qu'on peut y aller par ici. On va faire un petit détour. On va voir si on peut apprendre des choses. Non, ça va être coincé. On va passer par là. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'on puisse passer et atteindre la forêt. Peut-être ramasser quelques iris des neiges et un petit peu de bois en passant. Ça mange pas de pain. C'est trop loin ça. Ah, ici il y a un truc. Essayer de les éviter. Hein. On n'est pas là pour buter la moitié de la forêt. Pendant qu'on y est, on va finir d'explorer par là. Oui, je sais, je viens de dire qu'on n'avait pas le temps, mais bon, ça a l'air d'être de la forêt. Ah, il y a un peu de bois là. Petit détour. Non, trop tôt.
3 bois, c'est pas mal. Allez, on va aller au camp. Dépenser nos crocs. Et après, on redescend vers la ville. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu nous vends de beau, toi, du coup? Séchoir à viande. On pourrait prendre ça. Bon, il nous faut un bricoleur apprenti, du coup, ça fait chier. Mais je pense qu'on va le prendre quand même, le séchoir à viande, ça me paraît intéressant. Et nous vendre la corde aussi contre des crocs. Ça on prend. On va pas revenir tout de suite, donc on va craquer un maximum. Et c'est parti. Donc on a plein de recettes, il faut que le bricoleur il monte de niveau. Toi tu nous fais quoi de beau toi? Ouf, grande hache de l'Inquisition ou Arnois de Maître. Main de la justice. Inflige 30 à 50% de dégâts de force à la cible et l'attire jusqu'en mêlée pour l'engager. Si la cible est engagée avec cette capacité, effectue une attaque d'opportunité. Waouh, ça pique. Sauf que je sais pas qui c'est qui peut utiliser des haches à deux mains, malheureusement. Je suis pas sûr que la brute puisse. Ce qui est un petit peu triste. Et toi t'envoies le Arnois du Paladin. Mais on a déjà une niveau armure lourde, on a ce qu'il faut. Même si c'est peut-être pas tout à fait du même niveau, on n'a qu'une seule personne qui peut l'utiliser, de toute façon c'est Poslovitch. Aminou on l'a spécialisé en armure intermédiaire je crois. Ouais, armure intermédiaire. C'est juste un maître d'armes, enfin juste. Il est extrêmement efficace, on va pas dire le contraire, mais il peut pas porter d'armure lourde. Ce qui fait qu'il se retrouve pestiféré d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors, on arrive à Stromkarp. Du coup, le marché aux trois lapins. Toi, c'était bien de l'ambre que tu voulais ou pas? C'était des épices. Merde, absolument pas de l'ambre du coup. Alors, cela dit, on fait quand même un bénéfice en la vendant, donc on va la vendre. Ah d'accord, on a un petit journal des marchandises, c'est pas mal ça. Ouais, donc on peut vraiment faire du marchand hein, dans le jeu. C'est plutôt cool. Mais du coup, c'est pas du tout là où on voulait aller. Par contre, il nous faut 5 draps. Donc on achète 5 draps. Ou 3 draps, je sais plus. Bon, pas grave, on fera du bénéfice au pire. On n'a pas besoin de sel pour l'instant. On va jeter un oeil à la taverne, voir s'il y a des gens à recruter. Alors toi, tu nous donnes rien de nouveau. Non. Rolik. Un lancier supplémentaire. Non, pour le coup non. Ildigenga. Ildinja. Un épéiste supplémentaire résilient. Pourquoi pas, un petit tank de plus. Oui non, là c'est le mec qui gère les marchands. Ou un autre lancier, endurant. Ouais, ça m'envoie pas du rêve. Ça m'envoie pas du rêve. Toi, est-ce que t'as des nouvelles quêtes? Le repère des brigands. Je pense qu'on va le prendre ça, parce que je suis pas sûr que si je le fasse... par contre, on va négocier un peu, parce que t'es bien gentil, mais... C'est pas donné ton truc, là. Et hop, on accepte le repère des brigands, et on va essayer de le faire. C'est censé être difficile, hein. Faut dire qu'on a un peu perdu en puissance de frappe entre Joshanet et Malice qui sont débutants. Je me tâte du coup à prendre... Ah mais on a plus assez de... Non, il nous faut 80 d'influence pour recruter. Donc de toute façon, pour l'instant, c'est pas le thème. Le cabinet d'apothicaire. Est-ce qu'on peut y faire des choses intéressantes? On pourrait fabriquer quelques remèdes de plus. On en a 9, on va en faire 1, ça fera de l'XP. Toi... Est-ce que tu nous proposes des choses? Il nous faut des cerveaux. On a dit qu'on achetait quelques remèdes contre la peste pendant qu'on était là. Puisqu'on va devoir gérer des ratons. La forge. Pas sûr qu'on puisse faire grand chose d'intéressant. On va vérifier, mais... Les couteaux de lancer, on en a suffisamment dur. On pourrait faire des renforts. Ouais, c'est pas... 3 d'armure quand même en plus. Est-ce qu'on a des gens qui pourraient les mettre? Toi t'es déjà équipé, toi on pourrait t'en mettre un.
Toi t'es déjà équipé, toi t'as rien, toi t'as rien, toi t'as rien, toi t'as rien. Attends, on pourrait en faire deux quand même pour booster un petit peu nos armures. Pourquoi pas? Ça consommera un peu notre cuir, notre minerai de fer, bon, nos matériaux aussi. Allez, c'est parti. On tente. Plus vite, mec. Moins vite, mec. Maintenant. Oh là là, l'échec. Ok, bon bah. Tu m'étonnes, un renfort de qualité normale. Raté. Je pensais que ça viendrait plus tôt. C'est pas très grave. Donc du coup, il y avait Poslovic. Hop, voilà. On passe à 50 d'armure, c'est pas mal. Et Malice, qui profitera bien d'un petit plus 3, je pense. Ok. Toi, du coup... Oh, il fait des prix sur les matériaux, mais... Go. On prend tout. Voilà, ça pèse un peu lourd, mais vu comme ça dépile vite, on va pas s'emmerder. Toi, est-ce que tu nous dis des choses intéressantes? Nous pouvons enfin vous montrer le vrai visage de Stromcat, un village honnête, ordonné et sûr. Très très bien. Bon, on a fait le tour. On va... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller vers l'écurie du plateau. Du coup, il nous proposait pas du tout de... C'est pas du tout par là. Non, c'est absolument pas par là. C'est par ici plutôt. Voilà. Il n'en a pas du tout d'épices, on n'avait pas du tout d'épices. Donc ça veut dire que c'est pas ce bled là où on achèterait des épices. Ce sera autre chose. Pas trop... Alors, machine. Je crois qu'ils sont tous identiques, hein, de toute façon. Ils ont pas de trêve, un PV. Ils ont un point d'aptitude. Ok, on peut avoir des poneys niveau 2. 270. Ah, c'est plus cher que ce que je pensais. Du coup, on va le prendre quand même. Par contre, niveau 2. Augmenter son transport, bah go. Du coup, bon, je pensais en prendre deux, mais on va en prendre qu'un. Hein. Bon, ça nous monte en 183. Lui, il nous donne un fer à cheval qu'on va équiper. On verra si on lui fait pas des fontes plus tard. Et donc, bah, on va essayer d'aller se faire une invasion de rats supplémentaire. Puisqu'on est là, ça fera un petit peu d'XP pour nos nouvelles recrues. Alors il faut qu'on prenne la route qui est par là. Non, absolument pas. Si on prend la route qui est par là, on va à la prison. Donc non, comment on fait pour y aller? On peut peut-être pas y aller en fait. On va quand même essayer de voir si on peut se faufiler dans la forêt. Il y a peut-être moyen de se faufiler dans la forêt. Donc là, il faudrait qu'on capture quelqu'un pour amener un prisonnier pour faire cette quête. N'importe qui. Pas sûr que ce soit bien utile. Ah, on a un petit peu de bois là-bas. Go, on va charger notre nouveau poney. C'est quoi? C'est des champignons. Ouais, c'est des champignons. On est fatigué, mais on va avant choper le bois. Voilà. Hop là, et on dort. Alors, niveau cuisson, on n'a rien d'intéressant à cuissonner. Et par contre là, alors toi tu vas aller plutôt par là-bas. Ici, on va fabriquer une fonte. Pour augmenter un petit peu le stockage. D'ailleurs je pense qu'on va même en fabriquer deux. Parce que si jamais on se retrouve de nouveau en déj de place, au moins on pourra équiper des fontes à la place des fers. On peut faire une attelle, pourquoi pas, ça va nous donner un petit peu d'XP, un petit peu de connaissances. T'en es où là de ton XP là, machine? Joshanette, ma chère, 42 seulement. Ça pique, ça pique, ça pique très fort.
Bah, on va rien faire d'autre, hein. On a déjà largement assez de crochets. Vous, vous servez à rien, mais en même temps, on peut vous mettre nulle part ailleurs. Alors, on peut mettre Aminou au lutrin, mais bah, je crois qu'il n'y a rien à faire, hein. Ouais, ressources manquantes. Enfin, tu vas rester là quand même, et puis on va mettre Jilid au camp. Allez, hop. C'est parti, on se repose. C'est un peu beaucoup là quand même. Ah tant pis, on a tout ce qu'il faut, on verse la solde, on se repose. Ok, bon, bah ça se passe pas trop mal. Il faut qu'on continue de s'enfoncer dans la forêt si on veut atteindre ce truc. Donc il y aura probablement des choses qui vont nous attaquer. Ah, ici il y a combat entre de nouveau. Des gens et des gens, d'accord. Bah on va le faire, mais on le fera lors du prochain épisode, puisque celui-ci est déjà suffisamment long. Ça nous fera un petit peu d'XP, ce qui mange pas de pain. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, n'hésitez pas à laisser des noms si vous voulez qu'on renomme le poney ou probablement d'autres personnes qu'on va embaucher. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.